Dena. Tout à l'heure, on a fait une mauvaise... Ah ouais, c'est... Dena, on a fait top 7 tout à l'heure. C'est notre pire résultat, c'est Dena. Allez. Ça va le faire. Préparez-vous pour le spectacle de votre vie. Sibeth ou Murloc, ça démarre mal. Ça démarre très mal. C'est toujours utile d'avoir du renfort. Merci Twizylon. Merci pour ton aide, c'est super gentil. Bienvenue à toi et merci, c'est très précieux ce que tu fais. Si bête ou Murloc. Mais il n'y a pas de bête et pas de Murloc. Et le jeu. Merci Twizylon. Merci, c'est super. Qui offre 5 abonnements à Varajghoul, à Iralions, à TG du 830, à Lawin du 69 et à Skirtios. Merci. Merci à toi. Merci infiniment. Ouais, c'est super. Vraiment, merci du fond du cœur. Ça aide pour le sub goal. Et moi, ça m'aide à pérenniser mon activité et c'est très très important pour moi. Donc merci, merci à toi. Que le rire se lève. Comment il s'appelle le plugin sur le deck tracker? BG Rank. Murloc ou bête, hein, c'est ça? Murloc ou bête? Bah bête. Ouais, c'est un truc de malade. Hein. C'est un truc de margoulin là. Bob il se fout de moi. Hein. Oh, cette recrue pourra au moins faire diversion. Ouais, je lui faisais pas confiance non plus. Après, c'est pas mal, hein. T'as Raldagoni x2, tu peux jouer Mecha. Mecha. Tu peux jouer Bête, tu peux jouer Bête. Bête aussi, j'imagine. Ça te fait 3 races, quoi. Ah, j'avoue que ça t'oriente un peu, mais bon. C'est Dena après, hein. Il t'oriente, hein. S'arrêter. Il est temps de prendre le taureau par les cornes. Bête. Ah, c'est dur hein, quand même. Parce que là, ça peut aller super vite. Hein, si je trouve un Bourbissa, par exemple, j'ai déjà 2 stacks. Hein. C'est là. C'est pas sûr maintenant. C'est pas sûr du tout en fait. On va pas du tout passer en fait. Mais les gars...
J'ai besoin de ces combats-là, moi. Les 85%, je... S'il vous plaît, donnez-les-moi. Ouais. Il est temps de prendre le taureau par les cornes. Bête. Serviteur, c'est un habitué. Pas de bagarre dans le saloon. Allez, réglez ça dehors. Je commence à peu près desserrer les fesses, mais je suis quand même pas à l'aise. Hein. C'est dur, tu commences la game à 22 life. J'ai l'impression que la game d'Enatrius tout à l'heure, où on jouait Uran, on a commencé la game pareil, super bas quoi. Donc ça bloque certains ups, ça... T'es pas à l'aise quoi pour jouer libéré en fait. Je pense qu'il faut quand même up, hein. Il y a des raptors là-haut, il y a des trucs. Hein. C'est toujours utile d'avoir du renfort. Une autre bête subit des dégâts. C'est plutôt ça le play, non ? Ce n'est pas le moment d'abandonner, comme j'ai vu dans une de des vidéos, pour assurer un top 4. Bah là, tu peux pas, t'abandonnes quoi ? Bah là, en fait, je tempo.
J'essaye de tempo et j'essaye de construire, mais non, là, il n'y a pas de stratégie de l'abandon. J'ai pas un spot pour faire une stratégie de l'abandon, si ce n'est ne pas up dans un timing trop risqué. Tu vois, c'est juste ça, en fait, là, ici. Là, je suis quand même dans une situation où j'ai une super quête. Donc, j'ai une super quête. Vous déconcentrez pas, partenaire. J'ai un bibelot intéressant. Non, je pense pas. Là, j'abandonne pas. C'est juste que je suis plus... Je vais jouer plus tranquille sur les up. Mais là, non. Je pense que je peux faire un truc, hein, dans cette partie. Parce que ça va compoter. Je dirais pas que je suis bien, mais... Non, mais si, parfois, tour 6, tu peux abandonner la game. Mais pas avec une quête qui dit Titus, quoi. Surtout que c'est une quête Titus qui m'oblige pas à avoir Titus sur le board. Après, le truc, c'est qu'est-ce qu'on arrivera à trouver un Gold Ring, quoi. C'est ça, la question. Mais mon trigger, il a bien mangé, quoi. C'est cool. Est-ce qu'on up? Non, je pense pas. Ça peut être sympa. Ah, ça c'est bien par contre. On vire l'oiseau. Est-ce qu'on garde les mamies? Ouais, je pense qu'on peut virer une mamie. Je fais un truc comme ça. Ouais, vous voyez, je joue plus safe. Par exemple, si j'avais été à 30, j'aurais pris le up ici. Mais... Là, non. Surtout quand t'as 25, je joue pas grand-chose. Il y a l'oiseau bleu qui peut être intéressant. Mais sinon... Oh, c'est cool, ça. Mais sinon, c'est surtout Titus, mais bon. Je pense que je vais pas jouer grenouille, a priori. Quoique. Enfin, grenouille, c'est compliqué. Plutôt Gold Ring, je suppose. Le problème, c'est grenouille avec mon trigger et je vois pas comment je vais pouvoir virer trigger. J'ai assez peu de marge de manœuvre, en fait, hein, dans cette game. Ok. Alors, dès qu'on invoque une bête, on double ses caractéristiques. C'est quand même intéressant avec Raptor. Hein. Après, on obtient deux bêtes. Doubler ses caras. Les deux, c'est très cool. Boussole ou autocollant. En gros, ça marche surtout avec Raptor. Plus tard avec Goldrin, c'est intéressant. Mais encore faut-il avoir Goldrin. Peut-être boussole est plus safe. Non, je crois que je prends la boussole. Par contre, je vais quand même up. Ah, on a les grenouilles, mais bon. Peut-être que... On a un peu de rip-hop avec ça.
C'est risqué, grenouille. Hein. Après, on a un Titus, hein. Intégré, hein. Puis on a eux, quand même, avec la lui qui apporte de la tempo. Vous jouez gros. Allez. Je pense que c'est intéressant. Ah ça c'est chiant non? Ça me bloque. Ah c'est vraiment chiant ça. Pourquoi ça tremble autant là, le jeu? C'est que des grenouilles, hein. On dirait qu'il y a un roi crush. On dirait qu'il y a un roi crush qui arrive sur le board. Ok. Ça a très mal tapé, mais bon. Il est temps de prendre le taureau par les cornes. Ok. Allez, petit triple. Bon, faut trouver des taunts là. Vous avez la pioche facile, dites-moi. Ça peut donner un taunt. Juste un tout. Ah, c'est pas mal ça quand même. Ah. Ma ma ma. Ouais mais ça je veux pas. Ah j'ai pas assez de sous pour prendre Octo et Ara. Je prends quoi? Je prends que Octo. Et je gèle Ara. Ou je prends que Octo. Ou je prends que Octo. Ben c'est ça, je prends que Octo et je gèle Ara. Ou alors je prends Ara. C'est dur à dire en vrai. Après, la grand-mère elle a vocation à partir, quoique. Non, peut-être pas. Merci Pedro. Merci pour le Prime, c'est super, merci de ton aide. Ah, c'est très précieux ce que tu fais, merci infiniment. J'ai de l'espoir dans cette game, hein. Je pense que je peux envisager quelque chose de beau. Le fait de pas avoir le Titus qui prend le... En fait, j'ai des bons. Déjà, j'ai des bons bibelots là. Et je prends pas la blanche tête. Enfin, à part si je rajoute un Titus. Mais... Bon, lui, faudrait le manger par contre. Il aura un sort qui mange. Un rappel, si vous assistez. Ok. Ouais. Vous avez la pioche facile, dites-moi. On veut des taunts là. C'est toujours utile d'avoir du renfort. Vous avez la pioche facile, dites-moi. Ça, ça dégage. Ouais, Jeeves
n'aie pas confiance non plus. Putain, mais c'est un truc de ma boule, hein. Petit tontin, là. Ça, on s'en fout, on va finir par tripler Ara. Bon, bah écoutez, on va juste mettre un Ara de plus. T'as le taunt avec le scarabée, non? Oui. Exact, exact, j'ai pas pensé. Tout à fait. Oui, oui, t'as raison. Ça, ça va vocation à partir, je pense, vu qu'il y a un Titus à la place. Est-ce qu'on veut forcément geler les taunts? Non, les taunts, on les récupérera. J'ai envie d'avoir une nouvelle taverne et un nouveau sort surtout. Ouais. En fait, c'est pas la fin du monde de pas avoir de taunt. Dans le sens où bah, j'ai pas Titus sur le board en fait. Vous avez trouvé un sacré bon filon, ne lâchez pas. Grenouille, c'est rigolo de jouer grenouille, c'est rare, hein. Plus personne ne joue grenouille. Après, grenouille, c'est super dur à jouer. Ça a pas de tempo. À part avec certains persos très précis, grenouille, c'est pas trop jouable, je trouve. C'est trop facilement counter avec la blanche tête. Ouais. Bon, je vais quand même acheter ce taunt. Ah, double taunt, non? En fait, lui, il... Là, on veut quoi? Ah oui, le sort qui mange. Et Titus. On va virer l'octo. Ou on vire Trigor. C'est bizarre, hein? Non. Oh, je vais taunter le raptor ou je taunt gentil, c'est un peu pareil. En fait, avant, on tauntait une autre créa parce qu'elle avait le taunt. Là, remarque, raptor peut donner un taunt. Ouais. La question, c'est est-ce qu'on utilise ça pour des rolls? Je crois que oui. Scarabouze. On s'en moque du scarabouze. Hein. On veut un Titus ou un sort qui mange. Non. Je pense que c'est un... Encore une fois, est-ce qu'on a vraiment envie de protéger nos cartes? On s'en fout, non? Ouais, si, l'idée c'est quand même d'activer lui, qui peut donner des taunts. Parce que lui, il va mourir. Et ensuite, lui, il active deux fois, il peut activer un taunt, puis lui, il proc. Ouais, je pense que c'est ok comme ça. Bête contre bête. Là, il y a beaucoup de bêtes, là. Il y a 5 bêtes dans le top 5. 3 bêtes. Ouais, ça protège les haras, accessoirement. Ah, par contre, les titus sont galères, mais en même temps, s'il y a 3 autres, 2 autres qui jouent bêtes. Vous êtes en bonne voie. Double poisson, Titus doré. On joue pas au même jeu en fait.
Merde, ça bug à ce moment-là. Ah zut. Ouais, ça va être trop long, ça va durer une minute, j'aurai 17 secondes de tour. Même si je joue pas grand chose quand même. Joue Mecha. Titus, please. Un petit Titus. Justin, hein. Justin, et c'est fou, hein. Ah, voilà. Oh. Faut pas mourir quoi. Si on meurt, on est con. High risk, high reward. C'est clair. Je rentre un sauveur, non? C'est un rip-up, taunt. Monture, j'ai l'impression que j'aurais pas le... Sauveur, non, ou monture? Monture, ça va invoquer très souvent une ou deux créas, quoi. Même pas sûr. Si, quand même. Je sais pas. Sauveur ou monture? C'est dur à dire. Après, je vire ça et je mets ça. Et ça. Je crois que c'est mieux sauveur. D'expérience. J'ai failli virer lui, mais je me dis contre Mecha, 250 lives, c'est pas mal. Monture, je pense que c'est... Non, je pense que c'est meilleur, monture. Avec les grenouilles. Déco, hein. Non, il a pas tant de créa. Ah, de toute façon, c'est trop tard maintenant. Mais j'aime pas déco. Je suis tellement. Je déteste tellement cette stratégie. Enfin, c'est pas une stratégie. À l'époque, c'était une stratégie. Bon, il est à 8, on va lui mettre... Ouais. Bon. Ouais, il va rester une ou deux créas, quoi. Ok. Allez, allez, bougez-vous le fion là, allez, allez, allez.
C'est pas sérieux ça. Allez, y a pas droit crush hein. Je suis désolé hein. Ok. Ok, donc c'est un bug, on est d'accord. Hein. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui parlait du bug de la mamie. Ça, c'est un bug, c'est sûr et certain. Ça devait t'arrader de partout à la fin. C'est une impasse. Pas confiance non plus. Bon, cette recrue pourra au moins faire diversion. Ce serviteur, c'est un habitué. C'est toujours utile d'avoir du renfort. Ouais, je lui faisais pas confiance non plus. Le fléau va vous consumer! Vous jouez gros! Faut la virer, non, si elle fait bugger. La mamie? Bah ouais, mais elle me fait gagner quand même. La mamie, c'est un rip-off en fait, c'est la nouvelle 4-1 quoi, c'est 4-1 en moins fort, mais. Je me suis retrouvé à n'avoir que 15 secondes à jouer pendant mon tour à cause de la mamie. Ouais, non, mais je comprends. Hein, parce que là, à la fin, c'est, ça m'a fait perdre pas mal de temps. Tu déco pas? Non. Non, ça va aller vite contre lui quand même. Sachant que la mamie, il la fera pas tomber. Il la fera pas tomber. Enfin, vite. Bon, ça va aller quand même. Tu vois, ça va être tellement gros que. Le trigger, je vais le dégager. Hein. Je vais mettre un quatrième Titus. Hein. Elle partait mal cette game. Mais vous voyez, je vous ai dit, on n'est pas dans une stratégie de l'abandon. Il y avait vraiment des trucs à faire, quoi. Grenouille, c'est une compo qu'on va jamais jouer. Mais dans certains spots, on peut. Mais ce qui est très intéressant également dans cette partie, c'est que je me suis pas fait traumatiser par la game d'avant. Parfois on fait un très mauvais résultat avec un perso qu'on considère fort et derrière on va plus piquer par peur en se disant bah ouais mais il m'a apporté une mauvaise place. Mais si tout à l'heure je l'ai piqué, c'est que je le considérais correct. Donc là je l'ai repiqué parce que je le considérais correct. Bon, miroir de bête. Impressionnant. Rappelez-moi de ne jamais vous énerver. Ouais. Je sais pas, c'est pas mieux sauveur que. Ah, ça, c'est nul. Hein. Les créatures vont être. Puissance infinie. Ça, je dors une grenouille de plus. Oh, wow. Merde. Ouais, la probabilité elle était quand même assez mince. Hein. Vous trouvez pas? Est-ce qu'on met une grenouille de plus? Je pense. Hein. Rip-hop, rip, il y a pas mal de créatures déjà. Peut-être monture.
Ok, ok, ok. C'est chiant, mais... De toute façon, lui, il avait tout, hein. Ouais, il avait le truc et les doubles fiches. On va voir, on va voir. Bon, on est devant. En fait, on a les mêmes compos, quoi. J'ai pas envie d'abandonner, j'ai envie de voir jusqu'au bout. Les poissons vont libérer des monstres, mais mamie aussi, hein. Poisson contre mamie. Poisson contre mamie. Regarde, il y a des rois crush à chaque hit, là. Bam, bam. Magnifique cette game de Nena. Hein. Cette finale, elle est exceptionnelle. Hein. Finale d'ultra grenouille contre ultra grenouille. Hein. On a... J'ai 4 Titus, et lui, là. Enfin, j'ai... Un Titus doré, un Titus normal. Lui, il a un Titus doré, double poisson doré. Franchement, c'est magnifique, hein, tour 15. Hein. Je me régale, hein. Ce bug est magnifique. On est dans les 2000, hein. on est pas mal. Hein. On est à 2000. 5000, c'est pas mal. 10 000. Attends, on est pas à 105 000 là? Non, on est à 10 509. C'est pas mal, 10 509. Je vais battre ma créature la plus grosse. Là, je suis à 23 000. Je suis à 51 000. Je suis à... J'adore cette game. 53 000. Je suis à 53 000. Hein. Je suis à 269 000. Je suis à 269 000. Un rappel, si vous assistez.
1 300 000. J'ai battu mon record. C'est ça là la game du mois en fait. Hein. 1 300 000. Par contre là il faut déco, non? Bon là je déco, on a vu hein, déjà 1 million. Après aussi bien je perds, mais on va voir, on va voir. J'ai quand même envie de jouer au moins un tour. Bon là j'avoue que c'était vraiment pour le show. Hein, parce que si j'avais été tranquille, j'aurais fait la déco. Hein. Parce que là je savais que j'allais pas jouer, mais franchement on regrette pas parce qu'on a vu 1 300 000. Incroyable. Ça vaut tous les... Franchement, je suis top 2 là, mais je m'en fous. 1 363 000 de stats. J'arrive pas à y croire, j'ai fait 1 million. Non mais c'est n'importe quoi. Le jeu il doit me donner un top 1. Il doit être top. On devrait être top 1 tous les deux. Sans blaguer, on devrait être top 1 tous les deux. Hein. Vous avez la pioche facile, dites-moi. Le fléau va vous consumer! C'est grandiose. Et là, on lui a mis combien derrière? 18 hein, quand même. 9 et une toute 18. Hein. Mais c'est grandiose. Bien. C'est peut-être la game de l'année, en vrai. Parce que là, c'est pas la game du mois. Je suis désolé. Une créature à 1 300 000, on fera pas ça cette année. Hein. Oh, nice. On l'a bloqué avec le titi. Bah là je peux pas battre 1 000 parce que il tue mon gars, mais au moins on a protégé le vrai Titus quoi. Merde, quoi vous... Mais mourrez les gars. Ah aussi. Attends, mais son board il s'est affaibli ou je rêve? C'est quoi son placement là? En fait, ce qui compte, c'est le hara. Le hara, il est totalement stupide. Alors là, on battra pas le record, mais... On va finir sur cette game. De toute façon, là, on peut pas relancer une game cette année. C'est la dernière game de l'année. Non, mais c'est incroyable. C'est 1 million, j'y crois pas, franchement. 1 million. 1 million. Let's go. Let's go, le Dena. Elle est magnifique, cette partie. Elle est magnifique.
C'est du Modigliani cette game. Waouh.